Bonjour à tous. Hi everyone. And welcome to this Cial Innovation Award ceremony. Je suis Xavier Poncin, directeur général du Cial Canada et je suis évidemment très excité d'être parmi vous aujourd'hui entouré de nos deux co-présidents, our two co-presidents, Isabelle Marquis et Dana McCauley. And all the, I guess all the jury will be online and all the participants of the companies of the that has actually applied to the Cial Innovation Awards. And I would like to thank also all the Cial Canada team that has been involved and that managed to put everything together in such a short time. Avant de commencer, j'aimerais, and before starting, j'aimerais remercier tous les partenaires du Cial Innovation, que sont XTC, Western Grocer, le magazine Le Must, Blue Unicorn et évidemment Nielsen qui offre le grand prix aux gagnants, la somme de $10,000 de consulting. Je commence. Donc, so now let's start. Qu'est-ce que le Cial Innovation? C'est le plus grand concours international dédié aux innovations alimentaires. C'est un concours qui existe depuis 1994 et qui est organisé sur tous les salons. Oups, pardon, excusez-moi, une petite erreur de ma part. C'est la magie du direct. Organisé sur tous les salons du réseau Cial Canada. All the winners of every Cial Innovation competitions are showcased everywhere in the world in our five shows: Paris, Shanghai, Jakarta, Abu Dhabi, India, and of course, our show in Canada. That gives us, to every participant a unique visibility and coverage all over the world. So, cette année, nous avons, pour cette 13e édition, nous avons réussi en très peu de temps, en très peu de semaines, à avoir près de 40 participants venant à travers de tout le Canada et aussi de 4 autres pays à l'extérieur du Canada. We had 5 different categories that has been chosen actually, and Isabelle and Dana will talk more about it. And this contest will never have been done without our 18 juries that I would like to thank, or 18 judges that I would like to thank a lot about for their participation. Je vais maintenant laisser la parole à Dana et Isabelle, mais avant ça, j'aimerais les introduire plus en détail. Mais avant de les introduire, j'aimerais d'abord vous présenter les différents prix qui sont présentés aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le grand gagnant gagnera $10,000 de valeur en produits et services, $10,000 of Canadian dollars in product and services provided by Nielsen, our main sponsor and partners. The silver medal, la médaille d'argent, aura la chance de gagner un stand de 100 pieds carrés offert pour le Salon 2021 à Toronto d'une valeur de $5,300. Et enfin, le gagnant de bronze medal, we have the opportunity to have a 50 square feet scheme completely equipped for the next show in 2021 in Toronto for a value of $3,900. The two special prizes, les deux prix spéciaux, auront aussi deux cadeaux offerts, c'est-à-dire qu'on leur offre 3 nuits à Toronto pour le Salon 2021 à l'Hôtel X, qui était le fameux hôtel juste en face de l'Enercare, donc vraiment très utile d'être en face, et c'est un hôtel bien évidemment de luxe. So let me introduce the two presidents of our jury, Dana McCauley et Isabelle Marquis. We're going to start with Dana. Dana is the CEO of Blue Unicorn Innovation and Associate Director at Guelph University. Throughout her career, she has combined her interest in food with keen insights on global food trends. Dana was the founding executive director of Foodstarter, a trailblazing food business incubator and accelerator located in Toronto.
During his first 2 years of operation, Food Starter clients launched over 80 product lines and created plus 160 food sector jobs, and the organization itself was recognized with the Premier's Award for Agri-Food Innovation Excellence. In her current role as Associate Director of a new venture creation in the Research Innovation Office at the University of Guelph, Dana's team enables Canada's smartest agri-food and biotech minds to transfer the insight into commercial value that grows the economy and enhances Canada's international reputation as a place where great ideas and safe food are abundant. In 2017, Dana was even recognized as a Canada's most powerful woman, top 100 award winner. Dana is co-president of the Cial Innovation and our food innovation expert since 2015. Isabelle Marquis, spécialiste en consommation alimentaire, est avec nous depuis bien longtemps. Professionnelle de la nutrition, du marketing alimentaire, de l'innovation cumulant plus de 20 ans d'expérience, Isabelle possède des connaissances et un savoir-faire multidisciplinaire unique, acquis à la fois en agence de conseil et en entreprise de transformation alimentaire. Reconnue par sa grande rigueur, sa perspicacité, sa passion contagieuse ou encore sa créativité stratégique, Isabelle est aussi une communicatrice hors pair qui s'est inspirée autant que mobilisée. Aujourd'hui, à son compte, Madame Isabelle Marquis accompagne des entreprises de toute taille du secteur alimentaire québécois et canadien à chacune des étapes de leur travail en pré-commercialisation. Elle est également collaboratrice auprès de magazines spécialisés et à l'émission L'épicerie sur ICI Radio-Canada Télé. J'ajouterai à cela qu'Isabelle est dans le périmètre du Cial Canada depuis plus de 10 ans et a toujours été impliquée dans le jury Cial Innovation, que ce soit en tant que coprésidente ou simple juge. Vous pouvez les retrouver toutes les deux sur le stand Cial Innovation dans le hall Découvrez l'expertise Cial tous les jours pour répondre à vos questions. Dana, Isabelle, it's your floor now. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Good morning, everyone. Unfortunately, my colleague Dana is having a little technical problem at this moment, so I will try my best to present her part until she can join me again. So it's a real pleasure, and I feel blessed again this year to have the opportunity to be part of this great adventure of the Cial Innovation Contest. As Xavier Poncin was mentioning just a few minutes ago, it's a very special event, and I think everyone in the food industry is definitely looking for it every year, so very happy to be part of it again this year. Dana was the one leading the wonderful jury in Toronto with all those members. So it's like the jury I have in Montreal, very multidisciplinary. The jury members were Angela. Oops. That's okay. Just make sure that I mention each and every of them and take the opportunity also to thank them again for their time and expertise. It's a pleasure to have all you on board. So Angela Viuzzo, Marge McDonald, Derek Vela, Birgit Blaine, Ian Ferguson, John Mastroianni, Brad McMullen, thank you very much again for your participation. Et à Montréal, j'avais le plaisir d'être tout aussi bien entourée d'un jury très multidisciplinaire que je souhaiterais aussi remercier pour non seulement leur participation, mais leur résilience. Vous aurez compris que cette année, pour le jury, comme pour n'importe quel aspect du Cial et de nos vies en général, j'oserais dire, rien n'est comme à l'habitude, mais tout s'est merveilleusement bien passé grâce à ces personnes. Donc, Gabriel Moreau, directeur d'affaires chez Nielsen, Jonathan Garnier, chef exécutif de la Guilde culinaire, Bruno Ponsard, directeur de l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, Marianne Lefebvre, nutritionniste, conférencière et spécialiste en nutrition internationale, Ivan Kocek, président de Food Momentum, Audrey Turgeon, gestionnaire de services marketing Montréal et Québec pour Services alimentaires Gordon, Louise Corneau, nutritionniste, chercheur et membre de l'équipe de co-création culinaire à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Madame Joanne Tanguay, directrice du créneau Transformation,
Et Annie Langlois, nutritionniste et associée au cabinet de relations publiques Massy Forget Langlois. Merci encore à tous. Donc, peut-être vous résumer en bref, quand on évalue les produits pour le concours Ciel Innovation, l'idée derrière ou le concept derrière est toujours le même, c'est-à-dire d'essayer d'identifier quel produit apporte une valeur, un élément nouveau qui a de la valeur pour le consommateur ou pour la cible qui est visée. Il faut que cet élément-là soit clairement identifiable et qu'il puisse être, ne serait-ce que d'un point de vue qualitatif, mesurable. Quatre aspects des produits se trouvent à être regardés par l'ensemble du jury, à savoir la recette et la composition du produit, ce qui inclut notamment sa valeur nutritive, l'origine des ingrédients, etc. Le procédé de fabrication, est-ce qu'il y a un défi particulier qui a été relevé à ce niveau-là pour permettre d'apporter une expérience nouvelle avec le produit? L'emballage, à la fois sur le plan esthétique et technique, et le positionnement marketing qui complète le tout. So briefly in English, just to make sure we all understand the same thing. So our four main criteria for to evaluate all the products that were presented to the jury this year were again the same four, which is the recipe and composition, nutritional value of the product, the manufacturing process. Was there any technical challenge that the company was able to develop or go around and present something different and innovative, the packaging and the marketing positioning. So those are the four main criteria that we've been looking at for every single product that was presented. Comme à chaque année, notre outil, j'ai envie de dire, de base d'évaluation ou de présentation des tendances et de l'innovation est celui qui a été créé par l'équipe d'XTC World Innovation en France il y a de cela de nombreuses années et qui est encore aujourd'hui l'outil de référence pour identifier et segmenter l'innovation agroalimentaire. En bref, sans rentrer dans le micro-détail, la beauté de cet outil-là, c'est qu'il nous montre l'innovation sur de multiples niveaux et nous montre aussi donc son évolution. Les axes de base sont toujours les mêmes, à savoir la notion de plaisir, de santé, tout l'aspect physique, le côté, je m'excuse, je ne vois pas mon écran, le côté praticité, donc convenience, et l'aspect éthique. Et donc, de ces cinq grands axes-là qu'on pourrait qualifier comme étant les grandes revendications des consommateurs en matière d'alimentation, on recherche tous un peu, plus ou moins de tout cela. C'est là où les tendances s'inscrivent et viennent s'installer. Et les leviers que vous avez complètement en haut, donc les feuilles de notre arbre, sont la façon dont chacune des tendances va être exprimée à chaque année. Donc, d'une année à l'autre ou d'un pays à l'autre, évidemment, la sophistication va prendre une couleur ou une saveur différente. Même chose pour les aspects de santé, d'énergie, etc. Donc, c'est un peu notre outil de référence pour analyser l'ensemble de l'innovation. Now, thanks to XTC, we are sharing with you this morning some interesting numbers about the most innovative food categories in North America in 2019. So each and every year, XTC, for those of you who may not know that company, they are really experts in identifying and analyzing food product innovation worldwide. They have a huge database with all that information together, so they can extract extraordinary information. If you want to know more about them, I encourage you to do so, because it's really interesting what they find. And so when we look at North America more specifically, they have pulled up those top 10 most innovative food categories for last year. And it's interesting to see that once again, the savory frozen products is on top. We've been seeing this for a few years now. I recall that again, I think in 2018, using the numbers from 2017. But the interesting thing here is that they are not anymore a frank and very solid top one. They are followed very closely by the soft drinks category, which was really on the back burner for quite a few years. Then we have the appetizer and grocery products that are following.
close together, other non-dairy fresh produce and fresh products, we should see here, and dairy products that are really aligned. And that's interesting, especially if we take into account that big wave of plant-based innovation trying to replace the dairy products. Dairy categories fighting back, and there's still a lot of innovation going on in that category. Ready meals, ice cream, aligned here. Ready meals used to be higher on the ranking here, so but they're still on the top 10. And you see desserts, dried fruit and seeds, meat. I'm very happy to see meat delicacies and poultry in our top 10, although it's not that strong. Same comment as I just said in regards to dairy products. That category is fighting for his life. And they're doing great innovations to keep their place in the market. So that's interesting to note. So that's it for the few numbers that we wanted to share with you as an introduction. Maintenant, est-ce que ma collègue Dana est de retour en ligne? J'ai cru la voir. Xavier, est-ce que tu la vois? Hello, everyone. I'm very sorry I'm able to join from the top of the hour. I have been having all kinds of technical problems today, but I am so, so pleased to be here at last. I've very much enjoyed working with Isabel on the CL Innovation Awards for 2020. She and I have reviewed many, many iterations of the contestants since last winter. And ultimately, we have a top 10 list of fantastic products and fantastic innovations that you see here before you that we were able to cull down with the amazing participation of our jurors who represented all different kinds of disciplines from the food sector, from packaging and health experts to retailers to chefs and food product developers. So we combed through and here you are, your top 10 innovations for 2020. So Isabel, would you like to comment in French for our French listeners about about this list? Yes, with great pleasure. En fait, pour compléter ce que Dana vient de mentionner, effectivement, on a eu une tâche particulière cette année puisque nous avions déjà commencé à évaluer les candidatures avant que la pandémie décide de nous rentrer dedans et de frapper. Donc, il y a eu quelques éditions, quelques versions, mais ça a été vraiment intéressant de voir voir l'ensemble des produits qui nous ont été présentés cette année. Très heureux de voir combien de produits se sont présentés malgré les circonstances et les aléas de la pandémie. Comme vous voyez ici, on a un top 10 cette année très diversifié qui touche à toutes sortes de catégories de produits qui incluent notamment des emballages. On a choisi d'en rentrer directement dans le top 10 plutôt que de les traiter complètement à part. Donc, on touche vraiment à un peu de tout. Ce qui était franchement intéressant pour notre jury. Donc, félicitations à ces 10 finalistes pour s'être qualifiés jusque-là. So I think as Isabel has just said, we saw innovation in packaging, we saw innovation in plant-based improvements, and we saw some really, really interesting new things emerging this year. One of the most inspiring to me is this idea of being in the food business, being more than just being empathetic to the consumer. Mm-hmm. There are a couple of products that I really want to call your attention to. One is the Juicy, which is a company from Brazil who has done some amazing things to not only make a great product that's very, very tightly aligned with consumer needs, but also, they have this incredible empathy for the environment and have developed a product drying culled for its wood more valuable than the wood. So we love that triple bottom line. And that's a trend we really hope to see continue and that we'll talk about again in a couple of minutes when we get into some of our awards.
Oui, et pour compléter ce que Dana vient de dire, si j'avais à résumer en deux mots l'ensemble de ce qu'on a vu et en particulier des 10 produits qu'on a sélectionnés comme finalistes, deux mots qui me viennent en tête en particulier, c'est la simplicité et la responsabilité. Donc, on parle beaucoup de clean label, de naturalité depuis plusieurs années. C'est un mouvement qui continue et qui n'est pas prêt de s'essouffler. En fait, je pense que ça devient presque un critère de base pour l'ensemble des produits et des nouveaux produits qui sont développés. Mais on sent vraiment que les entreprises vont plus loin que juste nettoyer la liste des ingrédients et portent attention à l'ensemble du concept, comme elle vient d'en parler, notamment l'exemple de Jusai au centre où le cœur de l'innovation, ou de l'idée derrière le produit est de préserver un arbre particulier du Brésil. Donc cette notion-là, à la fois de grande simplicité, mais sans banalité, et de responsabilité des entreprises sont deux choses qu'on a notées et qu'on a senties dans beaucoup d'innovations qui ont été présentées cette année. C'est bien intéressant. Donc, on est déjà rendu à annoncer les prix. Ça fait bien étrange, j'avoue, de faire ça à distance sans avoir l'ambiance des gens qui sont là et l'excitation, la musique, je ne sais trop. On va essayer de garder ça le plus vivant possible. Donc, on a choisi cette année, comme Xavier l'a présenté au départ, nous avions la possibilité comme jury d'ajouter deux prix spéciaux par-dessus les trois médaillés, qui sont un prix spécial biologique, donc pour le produit bio qui se démarque le plus, et un prix spécial emballage pour le produit dont l'emballage se démarque le plus. Au niveau du prix biologique, je vais commencer par celui-là. Le jury a choisi de décerner le prix spécial bio cette année à la fromagerie L'Ancêtre, donc entreprise québécoise qui nous offre superbe produit, une fondue au fromage bio, et non seulement le fromage est bio, mais c'est fait aussi avec une bière de microbrasserie régionale, elle aussi biologique, ce qui est une première. Le fait que ce soit un produit aussi qui est prêt à manger, ils arrivent vraiment avec un produit qui vient brasser un peu la catégorie des fondus au fromage prêts à manger. On a vraiment affaire à un produit qui est haut de gamme, qui est de très, très grande qualité. Et encore une fois, 100% bio, ce qui est une première dans la catégorie. Donc, toutes nos félicitations à L'Ancêtre pour cette belle innovation. Bravo. Dana, do you know if you want to comment on this one? Yes, you know, this product was such a surprise to me because I originally looked at it as just a line extension. And then when we dug into the amazing supply chain work that Fromagerie La Centre has done, I was so, so impressed. Everything in this product is organic, which is quite difficult when you're dealing with specialty items like cheese and beer that are very, very highly regulated. So bravo, bravo for putting in all that extra work of getting the most pristine ingredients. One of our jurors in the Toronto jury is a specialty grocer, and he said that he fully expects that in our wintertime lockdown and pandemic cocooning that fondue is going to be a huge seller. So you are right on time with a fantastic product, and congratulations. Sure. Yeah. Yes. I would clap, except I'm holding a phone right now. Well done. It's hard to get excitement during an online press conference, but I know that if we were in person, there would be lots and lots of people clapping and cheering. Exactly. Next. Do you want to present the packaging award? I would love to. Thank you so much. So packaging is such an interesting area of innovation right now. We see a lot of new biomaterials coming online, and it's so interesting to me that we saw in this very strange year some of the best, most exciting consumer-focused packaging innovations that we have seen in the last several years for the Ciela Innovation Awards. And our winner is no exception. They have taken a legacy of innovation and kept building upon it. Top
There's is a fantastic, delicious line of excellent quality sorbets, and a lot of people would have stopped there. But this team has continued to strive forward, and like the Jussai company that we mentioned a few moments ago, they have made sustainability and being faithful to the environment and to good outcomes for not just the consumer and the retailer and themselves a big mission. So congratulations on coming out with a packaging that we hope will set the tone for the frozen dessert and snack industry. Our jurors were very impressed, and all of them commented that if this plastic-free packaging became the norm, that we would have much, much less non-biodegradable packaging going into our landfills. So congratulations on 10 years of amazing innovation today in packaging, but in the past in all kinds of other things. En effet, pour compléter, sans tout répéter ce que Dana vient de bien expliquer, l'équipe de Top Glacier a déjà remporté la médaille d'or du concours Ciel Innovation il y a une dizaine d'années pour son produit. On est très heureux de les voir revenir cette année. Et comme elle le disait, ils ont continué de travailler à peaufiner le concept jusqu'au bout. Il manquait un petit ou un gros morceau, dépendamment comment on le regarde, à l'ensemble de ce qu'ils souhaitaient offrir. Et c'est cet emballage-là qu'ils ont finalement réussi à faire, un emballage qui est 100% sans plastique. Donc, ni le couvercle, ni la pellicule sur le sorbet, ni le contenant lui-même ne contiennent de plastique. Donc, comme Dana vient de le dire, ils viennent d'ouvrir la porte à la possibilité d'innover dans la même direction pour plein d'autres produits, plein d'autres catégories, si c'est maintenant possible pour quelque chose aussi difficile qu'un sorbet. Ça devrait l'être pour plein d'autres produits encore. Donc, bravo encore à Top Glacier pour être allé jusqu'au bout et avoir réussi cet exploit. Bravo! Woohoo! So next. Yes, now we're getting to the exciting part, aren't we? Oh, yes. Here at last. The bronze medal. The bronze award, yes. This is a tradition. Every year we give out three awards to, we think that everyone in the top 10 is deserving of being called a top innovator. But then we choose three awards that come with very special prizes, which I believe before I was able to tune in, Xavier has probably described, but we'll recap. And this year, our bronze award winner is, flash it up for us, please. Vegan butter from Locke Industries. This is such an interesting product. We did not expect this to be something that would wow us, but this company has been able to use very unique ingredients like aquafaba, which is the juice from marinating or from softening chickpeas, to emulsify and create a texture that is as silky and luxurious as real butter. This product, although it comes in a tub, can also be used pound for pound or cup for cup in baking. And we think that it will really have quite an impact on the vegan consumers or the vegan household, sympathetic if there's only one vegan in the household, on their experience of baked goods and other buttery types of applications. So congratulations on quite an amazing and innovative formulation in a category that is growing and growing by the moment. Oui, félicitations. Encore une fois, je ne vais pas tout répéter ce que vient de dire Dana, mais je synthétiserai simplement pour les gens francophones que ça a été une surprise pour nous, l'intérêt en fait qui a été généré avec notre jury autour de ce produit-là. Pas parce qu'on ne le trouvait pas intéressant dès le départ, mais parce qu'il y a déjà d'autres produits similaires qui sont sur le marché. Mais bien franchement, il faut admettre que l'équipe de Locke Industries a trouvé une façon de retravailler le produit qui se démarque, non seulement parce qu'il est sans huile de palme, mais aussi parce
par l'utilisation d'Aquafaba et d'autres ingrédients où ils ont vraiment réussi à développer un produit dont la texture est extrêmement intéressante et peut prétendre à une réelle comparaison avec du beurre traditionnel. Donc, une belle innovation non seulement dans la catégorie du végétal qui est en grande croissance, mais aussi une nouvelle belle solution sans allergène pour les gens qui ont besoin de ce type de produit-là. Donc, félicitations à Lock Industries. Bravo. Fantastic. And just for those of you who are viewing, you will have an opportunity at the end to ask questions of these amazing product developers. So we've got them on screen and on standby for you. Now back to Isabel. Yeah, yes, thank you for precising this. Alors, notre prix argent cette année est allé à un emballage et on en est très content. On a choisi pour le prix argent le produit d'Idéal Aluminium qui est une boîte pour transporter du poulet rôti qui est 100% compostable. Le jury a été très impressionné de voir non seulement la qualité de conception de la boîte, mais le souci qui a été mis au volet et aux attributs responsables et de développement durable sur tous les aspects de l'emballage, donc que ce soit la boîte extérieure, la fenêtre, le cabaret à l'intérieur, tout est non seulement 100% compostable, mais ils ont aussi pensé que ce n'est pas partout dans toutes les municipalités où c'est possible encore aujourd'hui de composter. Donc, les matériaux utilisés ont aussi été faits de fibres 100% recyclées, donc il y a des attributs et des qualités écologiques à l'emballage, qu'on le composte ou pas. Mais évidemment, si on arrive à le composter, c'est le summum. Tout est conforme aussi aux normes FDA. Donc, voilà un beau tour du chapeau d'Idéal Aluminium. Encore une fois, un peu comme pour Top Glacier tout à l'heure, qui nous montre que c'est possible même pour un produit qui est difficile à emballer, comme un poulet chaud et gras, que c'est possible d'innover sur le volet développement durable et de dépasser les frontières qu'on pensait qu'il n'était pas possible à dépasser il n'y a pas si longtemps. Donc, félicitations. So, as to recap Isabel's very, very detailed recap of why this product by Ideal Aluminium has won the Silver Award, it's just basically what everybody wants and needs for the future if they are a consumer who buys hot deli foods. I have to say that this was probably the best application in all my years as a Cial Innovation Awards jury president. This company did the best job of filling out their application. Not only did they send us their product and describe it perfectly, they also sent us backup materials, FDA approvals that showed that every single claim they had to make was validated. So in a nutshell, what you're looking at here is 100% home compostable product. You can bring your takeout food home, and if you have a home composter, you can completely digest every piece of this package. Even the film that that shows the chicken is made of a bio material. But it looks and feels just like a nice clear polyurethane plastic would. So fantastic innovation that will greatly enhance the way consumers feel about buying takeout foods, and hopefully, as our municipal systems catch up to the packaging industry, this will become a ubiquitous type of packaging for all of us in Canadian grocery stores. Yes. Okay. And now. Oh my gosh, it's the big one. It's the big one. So the Cial Innovation Awards gold recipient this year is Art Kombucha for a very interesting product that is made with beer as the first ingredient. It is aimed at the healthy
but young and fun, maybe not so young consumer, someone who literally wants to have their kombucha and a party too. It has a millet-based beer base. That's why we can have a gluten-free result, even though beer is the very first ingredient. And I have to say that it's a shame that, you know, the can is beautiful, but it's a shame that we can't show you this product in the glass, because it is absolutely gorgeous. The hibiscus version looks like a rosé wine and is lightly effervescent, and the ginger version looks like white wine. So the perfect summertime drink for those who want a low alcohol, but also not, you know, high calorie and more indulgent kind of a choice. So really interesting confluence of trends here, and a very surprising and exciting new product. So congratulations, Art Kombucha. Smile, you're on camera. Merci, non, vraiment, félicitations. On a vraiment apprécié, comme disait Dana, un peu la fusion des genres, le fait que ce soit pas juste un kombucha alcoolisé, mais que le premier ingrédient soit une bière. Et donc, il y a la possibilité d'expérimenter autre chose, en fait, de ce à quoi on est habitué. C'est ni une bière, ni un kombucha, mais un peu des deux. Le fait qu'il y ait seulement 130 calories, aucun sucre résiduel, donc c'est définitivement en lien avec les tendances et ce que recherche la cible visée par ce type de produit-là. Donc, beau produit, belle innovation. Bravo à Art Kombucha. And that's a pretty amazing list of winners, don't you think, Isabel? Oh, absolutely. Absolutely. I'm very happy with our winners this year. And I would also be very happy to hear them if we have the chance, if everyone wants to. Shall we start with our gold winner? Yes. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Representative to say a few words. Oui. Hello, congratulations. Buddy. Thank you, thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yes. We can hear you loud and clear. Oui. Okay. Should I speak English or can I do it in French? Comme vous voulez, soyez bien à l'aise. Do it in your, where you're comfortable. Je suis plus confortable en français, évidemment. C'est ça. Déjà, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est génial. Okay. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas aussi, parce que vous avez raison, l'emballage, pour moi l'emballage c'est ce qu'il y a de plus important en ce moment. On a nos produits dans des canettes en aluminium, l'aluminium c'est recyclé, mais j'attends le jour où on aura, pourra mettre notre produit dans des canettes biodégradables. Donc j'attends vraiment ce moment-là, j'espère que ça va arriver dans l'innovation prochainement. Non, on est vraiment content que vous ayez apprécié le produit, on est les premiers à faire ça au Canada. Donc c'est vrai que c'est très léger à boire, sans gluten, donc vous l'avez bien dit, c'est parfait pour les personnes qui ne veulent pas forcément boire de la bière et consommer quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est bon pour la santé parce que ça reste alcoolisé, mais quelque chose, disons, moins mauvais pour la santé que les autres produits alcoolisés qu'on peut trouver sur le marché. C'est très raisonnable. Oui, c'est ça, pas de sucre, pas de... c'est ça. Ben merci et félicitations. Fantastic. Encore. Merci beaucoup. Thank you very much. Est-ce qu'on a quelqu'un de chez Ideal Aluminium qui est en ligne? Oui, ils sont là. Alors, ils sont présents, mais je pense que leur son ni leur vidéo ne sont pas actifs. Donc, je ne pense pas qu'ils pourront participer, malheureusement. OK. Bon. Et quelqu'un de Lock Industries? Ça y est, ça. Bonjour, oui. Welcome. Allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va. Mais pour nous, ça fait des années qu'on participe au Cial. On est des grands fans de ce beau salon. Donc, déjà, le fait de faire partie des 10 finalistes, c'est très bien pour nous. Puis cette année, si on a réussi à avoir la médaille de bronze avec un produit qui nous tient à cœur. Donc, c'est un produit
comme vous l'aviez dit, Madame Marquis, au niveau de la texture, il match quand même assez bien la texture d'un bon beurre de qualité. Donc, ça, c'est grâce à l'utilisation de la coiffaba. Donc, c'est un produit qu'on a réussi à faire sans huile de palme. Donc, ça, c'est quand même ce qui nous différencie d'autres alternatives ou même des produits de margarine qui peuvent être déjà disponibles sur le marché. Il est disponible pour le retail. On va le lancer. On est en discussion avec les détaillants en ce moment. Donc, on espère que ça va être bientôt disponible en épicerie pour les consommateurs qui cherchent à réduire la consommation de produits basse animale. Donc, ils cherchent plus des options véganes, si on veut. Puis aussi au niveau de leur empreinte écologique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous motive à continuer tous les ans à travailler encore plus fort. Donc merci au CIAL pour le prix puis pour la visibilité. Bien mérité, bravo. Merci. Bravo. Ah, I see that Luke is saying he's present. Is that the representative from Ideal Aluminum? Absolument, Luc. On sait que vous êtes présent, mais pour une raison que j'ignore, on ne voit ni votre micro ni votre caméra, donc je ne peux pas vous donner la parole. Je ne sais pas pourquoi. Donc non, ça ne marche pas. Désolée. Oh, dommage. Bon. Bravo quand même. Bravo quand même. Oh, goodness. It is a brave new world. Here we are all trying to do our best. And thank you to all of you who are tuning in. I believe now we have an opportunity for people in the audience to ask some questions. I'm not sure exactly how you do that, but I press some buttons and start talking and we'll hear you. Yeah, normally the people should normally write their question to the Q&A box just at the bottom of your screen. Vous pouvez poser vos questions dans la partie Q&A si vous le souhaitez à Dana et Isabelle. Si vous avez évidemment des questions. So Xavier, while we wait to see, I have a question for you, Dana and Isabelle. When will this product will be available for retail? Ah, well, that's up to the people who come to the CIAL Innovation Show and list them in their stores, isn't it? We can't do any more than bring these to the attention of the Canadian public and hopefully the Canadian food sector. So some may already be on the market. In fact, I believe Ideal Aluminum's packaging is being used at some grocers already. But as for the rest, I don't think we know anymore. Isabel, do you have more details? I think the art kombucha option is also on the market right now. But what I would suggest to answer this question, as you said, the manufacturers are the best to answer that question. Because they entered the concept, it confirms that they are participating to the show. So I invite everyone to go on the platform, find their company, and have a chat with them. So you'll know everything you want to know about them. Yes, that's exactly the other question made by Nicole. She asked for how do we contact them to order. You have already some orders on the process, it seems. So just to answer Nicole, you can every participant and obviously of the finalists have a stand at the show, so you will be able to join them in the virtual show. Today, tomorrow, till Friday. Madame Fernandez aimerait répondre peut-être à la question. Oui, c'est ça. Donc, dans notre cas, l'entreprise s'appelle Loc Industrie, mais notre stand, c'est Alternative Kitchen. C'est la notre Alternative marque. Kitchen, oui, c'est vrai. D'accord. Commerce. Donc, vous pouvez passer nous voir sur le stand Alternative Kitchen. On va être là toute la semaine
pour accueillir les visiteurs virtuels. Merci pour cette précision. So just to make sure everyone gets that, Luck Industries is registered as Alternative Kitchen. So if you want to find their booth, look for the Alternative Kitchen one. Yeah. Any other questions? D'autres questions, commentaires? De nos entreprises aussi qui ont reçu les prix, nos deux prix spéciaux, emballage et bio. Je sais pas. Bonjour. Bonjour, je suis Stéphanie de la Fromagerie L'Ancêtre. Je m'excuse, Stéphanie. J'ai eu des problèmes de connexion juste comme on gagnait notre prix. J'ai été déconnectée. Donc, bonjour. Merci. Fait que dans le fond, on voulait vous remercier tout d'abord pour tout le temps. Là, je m'excuse, je vais le faire en français si ça vous va. On voulait vous remercier là, vraiment pour le prix. On a travaillé fort justement pour pouvoir offrir un produit gourmet qui est justement rassembleur. Je pense que dans les, un peu comme vous disiez, dans le temps qu'on est actuellement, les gens vont pouvoir en profiter en famille. Et puis, on voulait quelque chose qui était justement avec des ingrédients propres. Et puis là, vraiment avec nos partenaires, le Million Fondue qui nous a aidé avec le produit, puis il y a la Léone qui est la bière de la Gaspésie biologique qui est à l'intérieur du produit, ça a créé un produit qui était différent un peu de ce qui était déjà sur le marché. Et puis pour les détaillants, le produit est déjà disponible dans la plupart de nos distributeurs, donc on est de retour là, depuis le mois de septembre pour vos commandes, donc gênez-vous pas à venir nous voir. Nous, on fait partie du kiosque de Dairy Farmer Canada, dans le fond. Peut-être. OK. Parfait. Merci pour la précision et bravo encore. Merci. Je me présente Pierre Morin de Top Glacier, qui a présenté là, les emballages, les 6 emballages solo fruits. Alors, écoutez, merci beaucoup. On est très heureux là. D'avoir été sélectionné pour les emballages. On travaille très, très fort. Il faut comprendre qu'il n'y a pas tellement longtemps, les emballages de solo-fruits étaient entièrement en plastique. Et on a décidé à ce moment-là de upgrader nos produits entièrement biologiques. Alors, vous imaginez si ça n'allait pas ensemble, les produits biologiques dans des contenants en plastique. Alors, on a fait les investissements pour... avoir tout le système qui nous permet d'emballer même l'opercule sur le produit. Ce n'est plus des petits couvercles en plastique avec le seal. Donc, on est très contents. On doit vous dire que c'est juste une autre étape parce que le printemps prochain, tous ces emballages-là vont être compostables. Et cela s'applique pour tous les autres marques qui sont sur le groupe Top Glacier, incluant Bill Bucket et la marque Lambert qu'on lance. Donc, tous nos emballages vont être compostables à partir du printemps 2021. Alors, on est très, très excités de ça. So, thank you very much for this opportunity you're giving us. Merci, M. Morin, et vraiment bravo encore. Ravi de vous revoir dans le giron de l'innovation et de vous voir continuer, comme on disait tantôt, c'est super. Bref. On n'a pas d'autres questions en ce moment. Donc, je pense qu'on peut remercier, je ne sais pas si vous le pensez, I don't know if you are okay with that, but we're going to close the conference. We don't have any questions left. And if you have something to add, Dana and Isabelle, for the closing. I just want to thank everyone who entered this year for the Innovation Awards. It's nice to see that creative people continue to move ahead and to iterate and to try to succeed in this crazy, wacky time that we're in. And I would also say that as someone who is a long time member of the extended CL team, that I'm very, very proud that we are able to bring you this broadcast today. And I know that it's very different from the way we've done awards in the past. And I know it's not perfect, but I really am super happy
to be part of the CL group and to see them doing something so fresh and new. And I want to say congratulations to Xavier, Leticia, and Miriam, the CL team. And I do hope that everyone on the call will visit the booths that not only our vendors have, but interact with the CL team. I think we're on to the beginning of something really fantastic. And yeah, thanks for making this happen. Isabelle? En fait, je complète simplement en disant à mon tour, oui, un grand merci à toutes les entreprises qui ont bien voulu, qui ont pris le temps de s'inscrire au concours. C'est important de faire ça pour faire connaître vos produits et l'innovation. Et on est toujours ravis. Plus il y en a, plus le défi est grand et plus on est ravis. Donc, bravo et merci à tous ceux qui ont choisi de joindre l'expérience encore cette année malgré les défis. Et oui, je vous invite tous, que vous étiez participants, visiteurs ou autres, à profiter de l'expérience. C'est complètement différent de ce à quoi on a l'habitude, mais merci au CIAL d'avoir choisi d'aller jusqu'au bout de l'exercice malgré toutes les contraintes qui viennent avec pour nous permettre de se rassembler malgré tout virtuellement. Dana et moi-même, de même que les autres experts, seront disponibles à plusieurs occasions tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas à venir nous voir en ligne ou en tout cas à nous envoyer une petite note pour nous demander de se parler si vous le souhaitez. Et sinon, oui, profitez-en, promenez-vous dans les allées virtuelles du salon et profitez-en pour aller parler avec les gens, ne serait-ce que dire bonjour à ceux que vous connaissez, parce qu'on sait que le CIAL est souvent une occasion de se rassembler et de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis un bon moment, donc en espérant que ce sera profitable pour tout le monde et sur le plan des affaires, mais aussi sur le plan humain. Bon salon à tout le monde. Merci. Je vais juste ajouter une chose. Bon salon. Dana and Isabelle have a special conference themselves organized on Wednesday and Thursday. So Wednesday will be Dana speaking about innovation. And on Thursday, it will be Isabelle at 8:00. So I invite you to join those two conferences as well. It will be lots of insights and how we will manage the future thanks to them. I mean, to their vision and their stats and so on. So merci beaucoup. Deux conférences de haut niveau auront lieu jeudi et mercredi et jeudi, organisées par Dana et Isabelle à 8:00 du matin. Je vous invite à vous connecter pour évidemment avoir le maximum d'informations et de détails sur les tendances et l'innovation qui vont venir. Et évidemment, les finalistes ont déjà, d'une certaine manière, créé le chemin vers ce qui se passera dans les 5 à 10 années à venir. Merci à tous pour votre participation. Thanks to everyone for their participation and a great virtual visit, I should say. That's the way it is now.